Auvergne donne des boutons. Oui, hein. Tout à fait. C'était, mais c'était des moments merveilleux. Séquence vestiaire. Allez, chez les Verts. Alors Robert Nouzaret, il a emmené ses joueurs dès lundi même. Sonny Anderson qui s'élance, qui frappe. Et ballon contrôlé par Alonso. Dégagement très loin pour chercher Aloisio. Et deux joueurs, Aloisio et Alex, justement. Ce qui est une affaire extraordinaire réalisée par Soler. Très bon coup. Oh là oui, on coupait. C'était Pedron qui avait tiré ce coup franc. Pedron qui se replie là sur M. Vessière, ne se laisse pas impressionner. Attention. Et ça repart d'Horacio, mais Thomas est juste. Anderson et but. Septième minute de la première période, le contre parfait et le 11e but de la saison, signé Sonny Anderson. Eh bien, dites-moi, ça commence. L'action a été rapidement jouée par les Lyonnais. Il faut dire que c'est un Stéphanois qui n'a pas pu dégager totalement de la tête et il a donné le ballon. On va revoir la situation. Voilà, Dorasso. Centre, regardez, hop, la tête de Metomo qui dévie le ballon et donne une possibilité à Anderson, magnifique. Beaucoup de sang-froid, hein. Beaucoup de sang-froid de la part d'Anderson. Ouais, mais c'était le gros souci de Robert Nouzaret depuis le début de la rencontre. Regardez, il a touché Metomo, vous avez vu? Ouais, c'est le gros souci de Robert Nouzaret. Il voyait que son équipe était en train de sortir, il leur demandait de ne pas trop lâcher le ballon. Stéphanois vers la ligne médiane avec Metomo pour Aloisio. Pedron, pied gauche. Oui, derby extraordinaire. En coupé, n'a pas bougé. Quel but! Quelle frappe de Pedron! Oh là 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 là, le coup extraordinaire. Quelle belle réponse! Quelle belle réponse de cette équipe stéphanoise. Eh ben, on est parti dans un match aimé. Fou. Eh ben, Pedron. C'est le vrai derby, c'est ça. C'est son cinquième but de la saison. Et il va le chercher, son pied gauche. Il le cherche. Il est à quoi? Il est à 25 mètres, ah facile. Oui, magnifique. Lucarne totale. Aucun problème. Hein. Et poum! Ah oui. Lucarne, hein? Ah oui. À pleine lucarne. Ah. Hein. Quel but! Et bien, le pied gauche de Pedron. Ouais, Thierry, oh là là. Thierry avec Robert Nouzaret, vous êtes sûrement en train de regarder le but. Robert, c'était important, cette réaction. Ah oui, là, on est... Coupé a du souci, ça va venir sur lui cette balle de Pedron avec la tête de Sarr qui a très bien coupé la trajectoire. Pedron, c'est parti loin derrière pour Gouel, c'est difficile à faire mais ça fera encore corner. Ah, il y a une belle pression de la part des coupes stéphanoises qui varie ses coups. Joue comme on joue d'habitude, hein. Je suis sûr qu'il va forcément faire des contres, hein. Ouais, c'est sûr, c'est la nouvelle façon de s'habiller pour les remplaçants. Oh, attention à Pedron. Et Aloisio, c'est pas fini peut-être avec Gouel. Et le nouveau corner concédé avec Gouel. La feinte de centre et cette fois pied gauche avec une tête. Ce sont encore les Lyonnais qui s'en sortent au dernier moment. Et Tomo. Pedron en déviation. Et toujours la force. La force d'Aloisio. Et la parade de Coupé, Potillon. Tout en puissance d'Aloisio, ah, est impressionnante. Oui. Parce qu'il y a Bach dans son dos quand même. Tout à fait, et puis là, il réussit vraiment une orientation avec sa tête, regardez, malgré la charge de deux défenseurs. Et il enchaîne la reprise puissant, de volée. Quelle présence. Devant une défense quand même lyonnaise très regroupée et très attentive aussi. Hein. Est-ce qu'il y avait faute? Il y a faute des deux côtés, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'est dans l'esprit, donc. Coup franc en faveur de Saint-Étienne. Pedron. Un appui sur Alex. Allez. Pedron, non, allez. Là, il fait le but, là. Quelle action, magnifique action, le double quel enchaînement. Alex Pedron, regardez, là c'est Pedron, il va s'appuyer. Regardez cette remise,
il lui redonne. Et puis regardez là, hop là. Et il lui rend. Quelle lucidité. Quel réflexe de la ville. Hein. Ah, c'est la ville qui regardez, sauve. Regardez ce qu'il va faire. Hein. Non, c'est Serge Blanc. Ah, c'est Serge Blanc. Serge pardon. Blanc qui sauve. Oh là là, magnifique. Et avec son pied droit en plus. Tomo, trois Lyonnais sont devant la cage d'Alonso. Et notamment Steve Malbranck. Le coup de tête de Malbranck qui était hors jeu. Ah, il était hors jeu. Il était hors jeu. Verrel avec Uras, le centre d'Uras. Sonny Anderson de la tête. Ballon capté par Alonso. Verrel face au but. Verrel la frappe avec le rebond. Et Alonso qui renvoie cette balle. Oh, chandelle de la ville alors que ça monte hein, entre Aloisio, Blanc, la ville et Bach. Et l'arrivée de Boudarène. Qu'il n'y a pas de bon derby sans quelques gifles. Ouais. Ouais, bon, et ben voilà, on les a les quelques gifles. Hein. C'est pas bien grave si M. Vessier arrive à prendre tout ça en main. En plus, entre Alonso et Bach, je ne sais pas en quoi ils se sont parlé, mais ils ne se sont pas compris autant. On voit le geste dont très, vous très parliez, Laurent. Très, au très ralenti, bien. On voit magnifiquement l'intention d'Alonso, hein, qui fait vraiment ça. Voilà. Faut le sortir. Très bien joué.